اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم ما كان بهذه الأمة من ضر من عين أو جن أو سحر من إنس أو جن في البر أو في البحر تعلمه ولا نعلمه أنت علام الغيوب، فاكشفه لنا واحضره لنا وابطله لنا، لا يهدي لي هذا إلا أنت يا أرحم الراحمين رب العالمين. Maintenant, inshallah, nous allons procéder au captage. La dame a des djinns qui couchent avec elle et elle n'arrive pas à faire d'enfants. Donc on va, inshallah, ramener ces djinns pour les convertir dans l'islam et les faire partir pour soulager cette dame, par la grâce d'Allah tabaraka ta'ala. Maintenant, le captage, c'est quoi? Quand une personne a été possédée par des djinns, elle a fait des crises, elle se débat, elle crie, quand on lit le Coran, elle réagit. Une fois que cette personne est guérie, que les djinns sont partis, il lui reste des brèches. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns, les djinns peuvent l'influencer, et elle aussi, elle peut influencer les djinns. Le fait qu'elle a été habitée, ce contact reste possible avec le monde des djinns, et ça permet que la personne, comme les djinns peuvent posséder la personne aussi peut attraper les djinns à l'aide de quoi? À l'aide des prières. Il s'agit de demander à Allah de ramener ce djinn avec des versets du Coran, et le djinn va venir et on va pouvoir le maîtriser et donc le convertir et enlever la sorcellerie avec laquelle il est venu et libérer la personne. Donc il ne s'agit pas de travailler avec les djinns ou de collaborer avec eux ou de faire des pactes avec les djinns. Il ne s'agit pas de voyance, il s'agit d'inverser le phénomène de la possession. On a été possédé par les djinns nous ont agressés. Maintenant, Allah nous a donné la possibilité de les attraper pour les convertir, pour libérer les gens. Donc c'est ce qu'on va faire avec le frère, Inch'Allah, par rapport aux djinns de la dame. On y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. 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 Est-ce que vous acceptez d'être musulman? Qu'est-ce que je fais ici? Alors, tu étais chez la dame, et puis on a demandé à Allah de te ramener ici, et c'est la force d'Allah qui t'a ramené ici. On t'a ramené pour te faire cadeau de l'islam. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman? Non. Au nom d'Allah? Non. Tu connais Allah? Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci de ton conseil. Juste t'aider, on veut oublier ceci, cette dame. Aide-toi toi-même. Merci de ton conseil. Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci mon frère. Mais il faut que je te dise Allah c'est qui. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Bon, je vais te dire autre chose alors. Arrête ça. Tu vois, c'est les paroles. Arrête ça. Mais laisse-moi parler quand même. Arrête ça, je te dis. Écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois musulman. Comme ça, tu iras au paradis après la mort au lieu d'aller en enfer. Et aussi. Inch'Allah, ilallah, oh non, Muhammad, sallallah. Dis-moi, mon frère. Maintenant, tu es musulman, tu es mon frère. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec cette dame? Ah oui. Oui. C'est pour cette raison que tu voulais que je me convertisse. Non, c'est pour que tu ailles au paradis et que tu n'ailles pas en enfer et que tu travailles pour le bien. Elle a voulu chercher refuge auprès de nous parce qu'elle avait des incapacités à concevoir. Donc elle est partie voir des gens qui lui ont fait des choses et bien donc. Sûr. Et c'est comme ça que vous êtes venu avec oui. elle. D'accord. Il reste d'autres djinns avec elle? Il y a ceux qui se sont mariés avec elle et ils ont mis les voiles. Ils sont dans l'océan. D'accord. On va demander à Allah de les ramener, Inch'Allah.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على Bonjour. Alors, on vous a ramené pour vous proposer des femmes mieux que celles-là. Est-ce que vous voulez voir? Abdraouf, mon métier de soigner les gens et aussi de convertir les djinns pour vous aller au paradis au lieu d'aller en enfer. Qui t'a raconté ça? Nous, on n'ira ni au paradis, ni en enfer, parce qu'on ne va jamais mourir. On va vivre pour l'éternité, parce qu'on a la suprématie sur les humains. Vous êtes rien que des cupides. Mêle-toi de ce qui te regarde, sinon avant le coucher du soleil, tu auras de nos nouvelles. Bien, alors je vais tu vous dire Tu oses venir nous défier? Non, je viens pas vous défier. Mais alors? Mais c'est pour votre bien. Pourquoi tu fais intrusion dans notre univers? Ah, c'est... Pourquoi tu veux montrer aux humains que tu as la capacité de venir dans notre monde ou de nous faire parler? Pourquoi tu fais ça? Parce que vous êtes venu dans notre univers. Tu vous... t'imagines même pas combien nous sommes, ce que nous sommes capables de faire. D'accord. Tu es en train de faire que rien que du coloriage spirituel. Je te ris à l'oreille, mon frère. Merci, mon frère. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما تدعون له ليكونوا من أصحاب السعير. Pas l'hiver, toi de quoi tu te mêles? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Écoute mon frère, bon toi tu n'as pas peur. Peur de quoi? De la vérité. Des microbes comme toi. Alors, guignol, espèce de barbu. On va te tuer, tu vas voir. Ok. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه من أصحاب السعير الله نور السماوات والأرض Il y en a d'autres avec elle ou pas? Je sais pas. On va chercher. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اليوم حديد أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Okay, regardez toutes les sens وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. C'est fini? Oui. Ok, vous pouvez rejoindre. Wa alaykoum salam.